Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo réaction. Alors je n'ai absolument pas révolutionné le concept parce que c'est des vidéos qui se font très souvent sur le YouTube game donc je n'ai absolument aucune originalité, je le reconnais amplement. Mais j'avais envie de temps en temps comme ça, de manière un petit peu spontanée, de parler de quelque chose juste à chaud, juste après l'avoir lu ou juste après l'avoir vu. Donc c'est vraiment ultra chill, hein. C'est-à-dire que pas coiffé, pas maquillé, rien du tout, mon vieux sweat. Vraiment je viens tout juste de finir mon visionnage et j'avais envie d'en parler tout de suite. Donc c'est des vidéos qui vont être assez courtes puisque c'est vraiment des réactions à chaud, donc sans aucune analyse et vraiment du pur ressenti. Et en l'occurrence aujourd'hui, je vous parle du premier épisode de Chainsaw Man, qui était extrêmement attendu et qui est donc sorti ce mardi à 18h sur Crunchyroll. Donc Crunchyroll qui aujourd'hui a fusionné, comme vous le savez, avec Wakanim et qui est devenue la plus grosse plateforme d'anime en France, même si ADN avait déjà un très beau catalogue. Mais aujourd'hui, voilà, c'est eux qui disposent de quasi l'exclusivité des nouvelles sorties en matière d'anime. Donc, Chainsaw Man, c'est par Tatsuki Fujimoto, au cas où vous ne le saviez pas, qui est également l'auteur de Look Back de 17-21, de 22-26, de Fire Punch, et ben, de Chainsaw Man, évidemment, qui est... Alors, moi, je trouve que, pour le coup, on peut le considérer comme un génie, parce qu'il est très jeune, puisqu'il est né en 1992, donc pour le coup, il a 2 ans de moins que moi, et c'est déjà donc un carton plein. Il a un style de dessin qui est très particulier, qui est très nerveux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Pour le coup, moi, j'aime beaucoup son style de dessin, parce que je m'y suis un peu plus habituée avec le temps. J'avais eu du mal au début en lisant Chainsaw Man, qui est la première chose que j'ai lu de lui. J'ai pas voulu pour le moment lire Fire Punch, parce que j'avais peur que ce soit trop gore. Et pour le coup, 17-21, 22-26 et Look Back, ce sont des chefs-d'œuvre absolus. J'avais eu la chance l'année dernière au festival d'Angoulême de voir l'exposition qui lui était dédiée, et pour le coup il n'y a rien à dire, c'est vraiment un génie du dessin, et ce qu'il fait est absolument incroyable. Rapidement pour recontextualiser, si vous écoutez le podcast ou pas d'ailleurs, enfin si vous l'écoutez pas du coup vous le saurez pas, mais moi je n'ai pas du tout accroché avec Chainsaw Man. Je suis partisane de lire toujours plusieurs tomes d'un manga avant de se faire un avis. En général j'en lis toujours au moins 2. En l'occurrence, Chainsaw Man, comme tout le monde disait que c'était extraordinaire, j'ai poussé jusqu'au tome 4, et après j'ai pas réussi à aller plus loin parce que je trouvais que l'histoire était trop what the fuck, et je pense que j'étais pas dans une maturité suffisante pour lire ce type de manga, parce que je pense que c'est un manga qui plaît beaucoup aux gens qui ont énormément d'expérience dans le manga, parce que ça sort complètement du cadre et de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je ne dis pas que je ne le relirai jamais, parce que je suis quand même assez intriguée, et j'ai beaucoup aimé les autres œuvres qu'il a faites. Donc, c'est pas un non rédhibitoire à tout jamais de « je ne toucherai plus jamais à Chainsaw Man de ma vie ». Toujours est-il que, comme pour Blue Lock, puisque pour le coup, c'est Blue Lock m'a fait exactement la même chose, j'ai lu 4 tomes, j'ai trouvé les dessins extraordinaires, mais je n'ai pas du tout accroché à l'histoire, puisque je ne me suis pas du tout attachée au personnage, et c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. J'ai toujours dit par contre que j'attendais les deux animes avec impatience. Pour Blue Lock, je ne l'ai pas encore vu, je sais que l'épisode est sorti et que apparemment il vaut le détour. Donc c'est pour moi une grosse sortie en matière d'anime, et Chainsaw Man, bah vraiment je l'attendais parce que je me suis dit autant le manga ça m'a pas plu, autant je pense qu'en anime ça va envoyer du lourd. Et pour le coup j'ai pas été déçue parce que j'ai trouvé que ce premier épisode était incroyable, tant par le design que par le réalisme qu'ils ont mis dans... Enfin je veux dire l'adaptation du livre où vraiment on ressent l'atmosphère que j'ai... En fait c'est exactement... ce à quoi je m'attendais pour l'anime de Chainsaw Man. C'est tout aussi parfait que ce qui était attendu. Je trouve que ça met en avant le trait de Fujimoto, que c'est sublimé, non, parce que son dessin est vraiment, vraiment incroyable. Je reviendrai pas non plus sur le côté utilisation ou pas de la CGI, parce que honnêtement, je m'en fous. Moi, du moment que je passe un bon moment en m'attendant un épisode, que ce soit fait avec des techniques 3D, 2D, 1D, CGI, je sais pas, rien à faire, du moment que c'est beau et que, pour le coup, ça ressort bien. Je trouve que l'épisode passe super vite. L'opening, incroyable, incroyable. La musique est ouf, alors j'ai plus le titre exact en tête, mais non seulement la musique est ouf, le design est ouf, hein, les scènes sont trop belles, et surtout, ce qu'il faut savoir, alors je pense que vous avez déjà dû le voir passer sur les réseaux, mais tout au long de cet opening, ce sont des références à des grandes scènes de films cultes du cinéma, puisque Tatsuki Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man, est un très grand fan de cinéma, et donc c'est un petit clin d'œil, je pense, à donc cette passion qu'il a, et c'est, si vous reprenez certaines scènes, c'est vraiment des copier-coller de films cultes. Il y a pas mal d'influenceurs, youtubeurs,
Instagrammeurs qui ont fait des vidéos sur le sujet pour expliquer d'où sont issues toutes les scènes. Donc je vous invite à aller regarder, c'est super intéressant. Donc, je vais pas le détailler là parce que c'est pas le but. En tout cas, c'est vachement sympa et ça donne un rendu qui est très cool. Au niveau de l'épisode à proprement parler, donc moi je connaissais l'histoire puisque j'ai lu les 4 premiers tomes, je trouve que c'est extrêmement bien adapté, ça correspond tout à fait à l'image que je me faisais de l'histoire. J'ai été plutôt contente, alors paradoxalement, puisque dans le manga, moi il y avait un passage qui m'avait particulièrement ému, c'est le passage où Denji, alors il y a du spoil dans l'épisode hein, évidemment, puisque dans cette vidéo, puisque on parle de l'épisode, donc si vous n'avez pas lu ou encore vu l'épisode, je vous invite à revenir voir la vidéo quand ce sera le cas. Donc la scène en question, c'est le moment où Pochita donne son cœur à Denji, puisque donc Pochita est un démon, et à un moment, Denji se fait découper en 14 000 morceaux. Et la seule solution pour qu'il vive, c'est que Pochita lui donne son cœur, parce que les démons peuvent fusionner avec les humains, et à ce moment-là, leur apporter leur cœur, leur puissance et leur pouvoir. Et Pochita va dire à Denji, je veux que tu vives, je veux que tu vives ta vie, et que tu réalises notre rêve à tous les deux, à savoir vivre de vieillesse longtemps, et être heureux en gros. Et donc Pochita se sacrifie entre guillemets pour sauver Denji. Et je me souviens que dans le manga, cette scène moi m'avait particulièrement émue puisque j'ai moi-même un chien qui en plus ressemble à Pochita, alors sans le côté tronçonneuse bien évidemment, mais dans le sens où c'est un petit format de chien, et j'ai une relation hyper fusionnelle avec mon chien, donc je comprends tout à fait ce que ressent Denji vis-à-vis de Pochita et le mal que ça peut lui faire de savoir qu'il l'a perdu, et d'un autre côté de se dire « bon bah il s'est sacrifié pour moi ». Et je me souviens que dans le manga, ça m'avait particulièrement marqué cette scène, et beaucoup ému, où j'avais eu limite la larme à l'œil en tant que Sego, la fragile que je suis. Et là, dans l'anime, je trouve que ça passe assez vite, cette scène-là. Finalement, on n'a pas trop le temps de s'apitoyer sur le côté « Pochita est trop chou » et sa déclaration, parce que dans le manga, c'est quand même... Il y a plusieurs cases dans lesquelles Pochita va parler. Là, il parle quelques secondes. Et du coup, ça rend le moment un peu moins émouvant, je trouve. Et tant mieux, puisque du coup, ça évite de pleurer dans les chaumières. Je redoutais qu'ils mettent la petite musique ultra déprimante à ce moment-là pour que tout le monde soit en PLS. Ça n'a pas été le cas, donc je n'ai pas pleuré. Je suis très fière de moi. Et finalement, la scène passe assez vite, on passe à autre chose. Au niveau du gore, moi, c'est ce qui me faisait le plus peur, le côté gore, parce que je suis, en plus d'être une fragile émotive, une grosse chochotte, donc moi, tous les films d'horreur, ces trucs-là, c'est impossible. Et ben, je trouve que finalement, dans l'épisode, c'est bien dosé, et c'est pas... Alors, c'est trash, hein, ça pisse du sang partout, dans tous les sens, mais en fait, c'est pas si choquant que ça. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai lu le manga, et donc je savais à quoi m'attendre, donc je savais que c'était trash, que c'était du gore, mais je trouve que c'est bien fait, et au final, bah, c'est comme on va regarder, comme si on regardait une scène de baston sanglante dans un film, mais moi ça m'a pas dégoûté, il n'y a pas des moments où je me suis dit vas-y je ferme les yeux parce que c'est trop horrible. Alors moi en général ce que je fais dans un film ou dans un anime ou peu importe, il y a quelque chose qui me stresse trop, qui est un moment trop stressant, je coupe le son. Alors c'est hyper bizarre comme réaction, je sais. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui font ça, et si c'est le cas, dites-le moi, je me sentirais moins seule. Mais je coupe le son, parce que du coup, j'ai pas la musique d'ambiance horrible, j'ai pas le côté « je vais sursauter parce qu'il va y avoir un bruit hyper fort d'un coup », et ça passe vachement mieux. Donc là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas dans Chainsaw Man, j'ai pas eu besoin de couper le son. Mais j'ai trouvé que le côté gore était plutôt bien fait, pour le coup, si tant est qu'on puisse dire ça. Et ça passait assez bien, et en fait, l'épisode passe super vite. Évidemment, vous avez bien compris, cet épisode n'est pas fait pour rentrer dans les détails de l'histoire et de la technique et de comment ça a été adapté ou non, c'est vraiment une réaction à chaud. Et donc pour moi, ce premier épisode, c'est un grand oui. Pour le coup, j'ai des tonnes d'animes en retard, que je pense que je ne reprendrai pas finalement, puisqu'en général, c'est des animes en plus de mangas que j'ai déjà lus. Et je me suis dit que j'allais privilégier pour le coup les mangas, enfin les animes de mangas que je n'ai pas lus. En l'occurrence, Chainsaw Man, puisque j'ai quand même envie de savoir la suite, donc je pense que je vais le suivre... activement toutes les semaines ou du moins de manière assez régulière. Pareil pour Blue Lock que je vais commencer également. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si cette petite vidéo review à chaud en mode chill vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Donnez-moi votre avis, bien évidemment, que ce soit sur Chainsaw Man, sur Fujimoto, sur ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous avez pensé de manière générale de son œuvre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.